Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Bienvenue Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Trois statistiques américaines cet après-midi. La première déjà publiée à 14h30, la seconde publiée à l'instant et enfin la dernière attendue à 16h. Alors on va faire un point de marché. Les statistiques, je vous laisse les regarder, elles sont d'ordre industriel. Nous attendons aussi l'indice Philly Fed qui est un indicateur avancé. Nous avons eu à 14h30 les nouvelles inscriptions hebdomadaire au chômage. On va faire un tour d'horizon des marchés en données 4 heures. Laissez-moi avant tout vous rappeler que nous avons changé de trame de fond. Nous sommes entrés dans un grand bear market sur le marché actions et donc chaque jour je vais vous apporter la preuve, une argumentation basée sur des graphiques fondamentaux. Tout a commencé, on le sait, par la tendance baissière des marchés actions européens. Ensuite, ce sont les marchés actions américains qui se sont alignés sur cette tendance en Europe. Et donc, laissez-moi vous rappeler ici que cet indice dit de la peur, en tout cas celui qui mesure la volatilité implicite basée sur la négociation des options d'achat et de vente de l'indice S&P 500, a quitté un intervalle, un range qui était en place depuis 2012, mettant à terme justement à ce marché haussier en place depuis 2012. Alors ce graphique-là, vous le connaissez. Aujourd'hui, je vais vous montrer quatre autres graphiques fondamentaux. Tout d'abord, un focus sur l'environnement obligataire aux États-Unis. Alors, vous le savez, hier, sur la base d'un volume historique d'à peu près 2 trillions de dollars, eh bien, le rendement obligataire américain à 10 ans a chuté sous le seuil des 2%. Alors, vous avez ici une capture d'écran basée donc, sur les chandeliers japonais de la plateforme FXM MarketScope du rendement obligataire américain à 10 ans qui est en séance passé sous ce seuil de 2%. Et au même moment, eh bien, le rendement obligataire de l'État grec prenait 200 points de base. Donc, il se passe quelque chose sur le marché obligataire. Et puis, au sein de la zone euro, quelque chose qui était finalement inconnu ces derniers mois, à nouveau un élargissement des spreads entre les pays dits core, la France, l'Allemagne, et les pays dits du sud de l'Europe. Bref, finalement, des éléments que nous pensions avoir définitivement oubliés. En tout cas, le marché s'était basé sur la fin de ces éléments-là pour acheter les actions. Et d'une certaine façon, on peut dire que les tendances consensuelles en place depuis 2 ans, eh bien, ont subi, notamment donc depuis quelques séances, là, un violent coup d'arrêt. Alors aujourd'hui, eh bien, ce rendement US se négocie à nouveau au-dessus du seuil des 2%. Ici donc un graphique en données journalières. Je vous rappelle enfin ici donc vous avez le même mouvement à travers une capture d'écran sur Bloomberg. Donc hier cette chute violente du rendement US. En tout cas, cela vous montre que même les marchés actions US sont passés du côté de l'aversion générale au risque, alors que pour l'instant il y avait un focus sur les marchés actions européens. Et maintenant nous avons des indicateurs en provenance de cette zone qui changent. Enfin, une dernière chose, une petite actualisation d'un graphique que je vous avais déjà montré. Il s'agit d'un indicateur qu'utilise la Banque Centrale Européenne pour évaluer les perspectives d'évolution des prix au sein de la zone euro. Eh bien, cet indicateur évolue actuellement sous des plus bas de 10 ans et il est passé donc sous les plus bas ici de 2011 avec donc un swap d'inflation à 5 ans au sein de la zone euro qui bascule sous 1,8%, sachant que la BCE cherche à atteindre un niveau de 2%. Tout ça pour vous rappeler donc que la trame de fond des marchés a changé. À la base, c'est quelque chose que nous avions vu venir en utilisant donc des graphiques de long terme, uniquement donc des indices boursiers à travers identification de divergences de momentum puissantes, et ce, dès le printemps dernier. Voilà donc pour l'introduction. On va maintenant basculer sur des graphiques en données 4 heures, et donc notamment donc sur les paires de devises majeures. Mais avant tout, et avant de basculer sur ces horizontaux inférieurs, je vais vous montrer ici simplement un graphique qui me plaît, qui est celui du câble, du GBP-USD. Autant on peut avoir certains doutes sur d'autres paires en dollars. Enfin, d'une certaine façon, moi j'ai une vue qui est la suivante. Je ferai en fait trois groupes. Le premier étant composé de l'AUD-USD, du NZD-USD, probablement dans des phases latérales avant l'inscription de nouveaux points bas. Le second groupe étant composé du GBP-USD qui semble eh bien tenter de construire un creux au-dessus des 1,5850-1,59. Ce n'est pas fait. Mais en tout cas, je mets ici sous surveillance une structure, une compression, alors qui s'apparente à un biseau descendant au même moment où le momentum représenté par l'indicateur technique RSI, lui, inscrit trois creux ascendants. Mais la baisse n'est pas encore dite ici sur le GBP-USD. Il faudra être prudent, cependant, chercher des achats sur cette paire de devises ne me choque pas. Et enfin, donc, euro-dollar avec ce potentielle configuration en drapeau, comme cela a été expliqué donc sur une analyse colonne de gauche sur notre site internet, configuration que nous allons étudier, sachant que pour le moment, eh bien, je la mettrai donc dans un troisième groupe, à savoir quelque chose de plus neutre
que des configurations graphiques existantes sur AUDUSD, NZDUSD ou encore GBPUSD. Quant à l'USD Yen, il revient sur 105,50. Cependant, je pense que là aussi, le momentum a besoin encore de davantage se dégonfler et j'attendrai au moins des divergences haussières pour chercher à dire que cette paire fait un point bas. En clair, 105,50 ne m'intéresse pas encore pour une stratégie d'achat. Alors, ça c'est un peu la trame de fond. Maintenant, on bascule sur des graphiques intraday. Vous voyez, je suis assez rapide puisque je vais me concentrer avant tout après sur vos questions. Alors, le temps que ces graphiques intraday chargent, je vous remontre ici les volumes. Alors, c'est une étude externe ici qui vous rappelle que selon le volume d'échanges réels, donc négocié chez un certain nombre de brokers Forex, eh bien, je vous en parlerai ce soir, vous constatez ici la place numéro 1 du broker FXM. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ça? Et bien tout simplement parce que vous avez la possibilité chez FXM d'ajouter les indicateurs de volume d'échange réel basés donc sur vous-même mais aussi tous vos collègues qui négocient chez FXM à travers le monde, et cela doit vous convaincre que les volumes que vous pouvez utiliser chez FXM peuvent représenter les volumes mondiaux, en tout cas du fait de la première place de FXM en termes de volume d'échange réel à travers le monde sur le marché d'échange. Voilà donc pour cette trame de fond. Maintenant, venons-en au graphique 4 heures qui m'intéresse. Le premier qui vous a été présenté ici sur le site, alors c'est un peu l'approche, c'est une approche intra-marché d'une certaine façon. Ici, vous avez, alors on va décortiquer un peu tout ça, vous avez le dollar index ici en données 4 heures et l'euro dollar ici en données 4 heures. Alors, nous avons ce canal haussier en données 4 heures sur l'euro dollar et ce canal baissier en données 4 heures sur l'US dollar index. En clair, si nous observons ici une résolution haussière, et là en bas une résolution baissière, il s'agira simplement de phase de pause, en effet dans le sens d'une puissante phase tendancielle en place depuis précisément le 1er juillet. Cependant, le marché n'est pas encore sorti de ses bornes, on voit que c'est assez incertain, et j'ajouterai enfin ici un autre indicateur que certains, je le sais, utilisent, que j'utilise un peu moins, mais bon, en tout cas là, on va essayer de voir s'il apporte davantage d'éclairage. Et donc, on constate que le marché teste des niveaux importants. On comprend ici l'importance des 11 020 points sur le Dow Jones FXM Dollar Index ou encore l'importance de cette zone des 27,50 sur l'euro dollar. Et donc voilà où nous en sommes. Et en clair, bon, 27,50 m'intéressait encore ce matin. Je pense que ça peut tenir. En fait, sur l'euro dollar, j'attends de voir le graphique en données hebdomadaires. Je pense qu'une clôture hebdomadaire qui se ferait sur des niveaux favorables porterait en elle davantage d'appréciation et donc de rebond technique. Je pense qu'il ne faut pas être agressivement vendeur sur l'euro-dollar. Autant c'est quelque chose qu'on peut avoir comme vue de marché sur le NZD-USD ou encore la UD-USD qui présente là somme toute des phases de transition latérale après des bas baissiers qui sont globalement violents dans le sens de la tendance. Autant sur le GBP-USD, j'ai donc une autre vue de marché. Je vous ai montré tout à l'heure un graphique en données journalières. Il y a un concept que j'aime bien qui est celui du premier test, sauf que malheureusement, en tout cas au moment où nous nous parlons actuellement, le premier test de cette configuration en biseau descendant, c'était hier. Elle a bien fonctionné. Et là, on a quand même une forme de résilience. Alors, ce que je pense, c'est que tant que ce marché tient 59,50, eh bien, ça ne me choquerait pas qu'il soit en mesure d'aller chercher 1,61. Par exemple, j'apprécie ici ce que fait l'indicateur qui est donc sorti par le haut de cette compression. Voilà donc pour les paires majeures. Bon, les indices boursiers, on peut les regarder sur autant d'horizons de temps que vous voulez. Bon, clairement, c'est marché est dans le sens de la tendance que nous avions anticipée, que nous avons défendue. Que se passe-t-il sur ces marchés actions boursiers européens? Et bien sur le plan technique, ils tendent et je crois que c'est déjà plus. En tout cas, on a fait beaucoup de chemin sur l'Eurostock 50 vers des objectifs de cours théoriques de structure d'inversion de tendance puissante en épaule tête-épaule, alors qu'on vous a présenté depuis longtemps ici sur l'horizon de temps hebdomadaire. Cependant, c'est justement en s'appuyant sur ces graphiques de long terme et notamment de puissantes divergences de momentum qu'on a pu anticiper ces phases-là sur les indices boursiers. Et en clair, ce momentum de long terme est encore très loin de s'être dégonflé. Donc d'une part, il doit se dégonfler, c'est-à-dire revenir tout en bas et enfin commencer à construire des divergences haussières. Mais ça, c'est par exemple quelque chose qu'on avait fait en 2009 ou encore quelque chose qu'on avait fait en 2002. Donc, ça va prendre probablement du temps, probablement davantage en 2015, avant de voir apparaître ce type de phénomène. Alors, maintenant, où en sommes-nous à plus court terme? Eh bien, autant vous dire que je suis surpris, car j'avais gardé en tête ici un canal baissier en données 4 heures sur le CAC 40, qui m'avait amené d'ailleurs à considérer rapidement que les 4100 points étaient déjà résistance majeure, ici lorsque nous étions le 14 octobre.
Mais je n'allais pas jusqu'à imaginer que le marché en sorte par le bas. Et ce matin, en arrivant par exemple devant mon graphique du CAC 40, j'avais quand même bon espoir, façon de parler, que 3920 points tiennent d'une certaine façon, une forme de cadeau fait à ceux qui pensaient encore qu'il était temps de mettre en place des stratégies d'achat à moyen terme. Malheureusement, ce seuil ici est enfoncé pour tout un tas d'éléments fondamentaux qui commencent à rappeler d'ailleurs eh bien, la crise de la dette en 2011 ici sur les marchés actions en Europe. Alors en tout cas, sur le marché des actions, ça commence à ressembler, la ressemblance commence à être frappante. Et sur le marché obligataire, ça commençait tout juste. Et nous avions même ce matin un écartement assez surprenant du spread de taux entre l'Allemagne et la France. Donc, il se passe quelque chose sur le marché de la dette, sur le marché obligataire. C'est le marché qui rassemble le plus de volume d'échanges et c'est le marché qui aussi présente les risques les plus importants du point de vue de l'effet de levier. Donc, clairement, je pense qu'il est beaucoup et beaucoup trop tôt pour anticiper des points bas de moyen long terme sur les marchés indices. Je m'exprime là sur plusieurs mois. Maintenant, on va essayer d'attraper le rythme de marché. Alors, honnêtement, les graphiques en données 4 heures des indices boursiers, c'est pas, je vois pas vraiment comment on peut s'en servir. Je me rappelle vous avoir parlé en début de semaine de l'indice AUS 200. L'indice AUS 200 qui est survendu depuis mi-septembre et ça ne l'a pas empêché de baisser. C'est ce que je vous montrais il y a 2 jours. Regardez l'indice australien. Il était survendu et il continuait de baisser. Bah, c'est finalement exactement ce qui se passe sur les marchés actions européens. D'ailleurs, cet indice AUS 200, lui, il s'est stabilisé. Alors, notre ami, le CAC 40, où en est-il ici en données journalières? Bah, écoutez, 3920. J'ai écrit une analyse lundi qui évoquait cet objectif de cours pour le mois d'octobre. Mais j'avais quand même en tête, finalement, je ne pensais pas hein, qu'on allait le faire aussi vite, ça a été fait. Donc voilà, on s'approche clairement maintenant des conditions de celles de l'été 2011. Alors, j'anticipais la capacité de ce marché au moins à se reprendre en direction de cette oblique de tendance, qui est celle en place depuis le 19 septembre. Pourquoi le 19 septembre m'intéresse et pourquoi finalement je cale le point de départ de ce qui se passe maintenant au 19 septembre, parce que le 19 septembre, c'est le point haut du rendement obligataire US à 10 ans. Le 19 septembre, c'est le point bas du yen japonais sur le marché des changes. C'est le point haut des marchés actions US. Et enfin, c'est la séance de décrochage des actions européennes. Donc, le 19 septembre a marqué l'entrée dans une nouvelle ère ici sur les marchés financiers. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le CAC 40? Forcément, à un moment ou à un autre, il y a bien possibilité de rebond technique, rallier déjà un momentum qui est presque devenu vertical pour retrouver peut-être des lignes de tendance qui ont déjà un angle extrêmement pentu. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce marché? Ce qui est certain, c'est que maintenant 4000 points, c'est une résistance, peut-être même que 3920 points seraient jugés comme étant une résistance solide pour le marché. Et par contre, vous avez ici tracé en vert ce que sont les objectifs du mois de décembre, sachant que je dis ça maintenant avec beaucoup de prudence, puisque le marché commence à aller beaucoup plus vite que la musique, en tout cas beaucoup plus vite que ma musique et que celle que j'avais anticipée, à savoir que ces 3571 points pourraient finalement être ralliés bien avant le mois de décembre. En tout cas, eh bien, vous connaissez maintenant les nouvelles conditions de marché. C'est un bear market, c'est tout. C'est un grand marché baissier. Et si je devais le comparer à ce qu'on a connu dans le passé, pour l'instant, il s'apparente davantage à ce que nous avons connu à l'été 2011. Je ne ferai pas non plus un rapprochement avec ce que nous avions connu entre 2007 et 2009. Quant aux objectifs de cours, c'est simple. Vous pouvez reprendre l'historique de mes analyses où j'avais proposé les objectifs théoriques des configurations en épaule, tête-épaule, à la fois sur DAX, CAC 40 ou Eurostoxx 50. Ces objectifs dont vous avez pu prendre connaissance depuis la semaine dernière. Alors, ce changement de psychologie sur le marché qu'on peut voir à travers un certain nombre d'indicateurs que j'ai tenté de rassembler, on le voit tout simplement en observant l'action des prix sur les marchés actions US. Il fut un temps où 5% de baisse sur le marché actions US était achetée immédiatement. Il fut un temps où des moyennes mobiles intéressantes tenaient, où les principaux niveaux de support ralliaient des acheteurs rapidement, ce qui n'est malheureusement plus le cas sur le marché actions US. Marché actions US, les investisseurs aux États-Unis, je pense, regardent toujours assez loin ce qui se passe en Europe. Par contre, leurs propres indicateurs, ils commencent à le regarder. Et hier, ce qui a pu se passer sur marché obligataire aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut choquer les esprits. En tout cas, eh bien, ici, donc, cet indice Dow Jones
industrielle que vous avez sous les yeux, eh bien, ce qui annonçait le pire, c'était dans un premier temps l'envolée du ratio Dow Jones S&P 500. Tout a commencé par le Russell d'ailleurs. Alors, il y avait d'autres éléments d'alerte, hein, comme le fait que les indices de volatilité implicite avaient gagné à peu près 80%, alors que les marchés actions US, eux, étaient parfaitement flats. Alors forcément, il y avait un écart excessif qui allait être corrigé, donc c'est ce qui s'est passé. Et il y a un support là qui existe en effet à 15 984. Aucune certitude que ce support permette un rebond technique en dépit de la nature verticale du mouvement. Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Mes convictions sont davantage sur les objectifs qui seront atteints lors des prochains mois. Quant au rythme de marché à court terme, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est à basculer sur des horizons de temps très courts, mais même le graphique en données 4 heures du CAC 40, il a un momentum qui est vertical. Alors autant vous dire que c'est sacrément compliqué. Donc on va se concentrer sur le marché d'échange, si vous le voulez bien. Je vais repasser donc sur des graphiques en données 4 heures et répondre à vos questions. Mais peut-être avant de répondre à vos questions, étudions le cas de l'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est aussi une paire de devises importantes. Et donc la question du yen japonais. La question que je me pose sur le yen japonais, et avant de vous le montrer, je vous invite à surveiller cette oblique de tendance en données 4 heures sur l'euro CHF. Voilà, c'est l'oblique de tendance qui joint tous les bas de marché ici, celui du 4 septembre. Ou encore celle du 30 septembre, il y a un début de réaction sympathique. Alors possible que avant d'aller voir les 1, 20, 30, qu'on continue de varier dans cette espèce de canal à faible pente. En tout cas, surveiller cette compression ici sur l'euro CHF et donc ce point de contact qui a été établi ce matin à 1,2057 francs. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question du yen japonais du point de vue de sa tendance de fond? C'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Le yen japonais, il a fait un point bas le 19 septembre. Il a rebondi d'ailleurs sur ses plus bas annuels. C'est ce que vous montre ici l'indice devise. Le franc index recule depuis un niveau de résistance et un haut de canal baissier. Pour vous indiquer ça, alors peut-être euro CHF, haut de canal, euro CHF, support. Bon, peut-être que vous pouvez essayer de faire le lien. Et donc, le yen japonais, point bas ici le 19 septembre. Il a atteint par contre un objectif de cours qui était cette résistance. En fait, il a atteint ici les points hauts du 8 août 2014, sachant que les sommets annuels se trouvent ici. Autant le yen japonais pourrait peut-être respirer à court terme, autant pour le moment il est toujours dans un puissant trend acheteur ici à court terme. Alors peut-être est-il encore un peu risqué de se mettre en face de cette appréciation du yen. Certes, une résistance a été atteinte, mais je ne vois pas pour l'instant de divergence. Donc, il existe une possibilité non négligeable que le yen finisse par inscrire de nouveaux sommets annuels ici lors des prochaines semaines. Le GBP Index, alors GBP Index, certes, il enfonce les points bas du 9 septembre. Cependant, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que le GBP pourrait rebondir. J'apprécie la configuration du GBP USD, l'euro GBP, un rebond est parti d'un bas de canal de baisse et a atteint son objectif de cours. Bon, voici donc où on est maintenant l'USD Yen. Il revient en effet sur un niveau important à 105,50. Eh bien, ce niveau ne m'intéresse pas. Voilà, le support à 105,50 ne m'intéresse pas, c'est trop tôt, je pense. Nous avons ici une ligne de tendance. Je ne serais pas surpris que le marché aille la chercher. Donc elle passe un peu plus bas. Ça ne me choquerait pas finalement que ce marché se replie en direction des 103 yens. Porté avant tout par une appréciation du yen japonais, hein, comme je viens de vous montrer ici, le yen index qui est probablement bientôt en mesure d'inscrire, donc de, en tout cas de tendre vers ses sommets annuels. Qui se situe donc ici sur ce niveau de 91,60 sur le yen index. Voilà pourquoi donc, selon le principe du premier test, 105,50 pouvait hier attirer des acheteurs, ce qui permettait d'ailleurs d'engranger 80 pips. Mais voilà pourquoi aujourd'hui un nouveau test de ce niveau ne m'intéresse pas. Alors, je passe maintenant en données horaires, 4 heures, et je réponds à vos questions. Chers auditeurs.
Alors, est-ce un signe d'un rebond des indices? Bonjour Vincent, le Russell 2000. Alors, le Russell en fait, alors il faudrait que je le regarde. Je vais aller regarder le Russell exactement où est-ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que j'avais évoqué le cas du Russell lorsqu'il y avait eu ce qu'on appelle un death cross, hein, la moyenne mobile à 50 jours basculant sur la moyenne mobile à 200 jours, et puis donc la sortie par le bas d'une grande phase de distribution. Alors, je vais aller le chercher un instant s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Voilà, ça va arriver et on va le regarder. Alors, bon, j'ai quelques problèmes de flux, je n'arrive pas à aller le chercher. Alors, bon, écoutez, je vous posterai un graphique plus tard, car là, je n'arrive pas à aller le chercher. Alors, Romain nous poste là le. Alors, je viens de vous poster un lien dans le chat. C'est le lien pour participer au webinaire de tout à l'heure sur les nouveaux spreads FXECM. Oui, m'intéresse beaucoup plus au niveau horizontaux, cher Olivier. Beaucoup plus au niveau horizontaux. Fourchette d'Andrews sur le CAC 40, donc quelque chose ici qui peut nous aider. L'USDCHF, alors attention, hier on a cassé ici. En fait, nous avons ici l'équivalent des 1,2750, c'est-à-dire 0,9470. Alors, tant que l'USDCHF se maintient dans ce canal de baisse sous cette résistance à 0,9470, il y a quand même un risque de poursuite de la baisse. En fait, ce qui me gêne, je vais vous montrer maintenant des graphiques en données journalières. Je pense que Doll US ou encore USDCHF ont un momentum qui a besoin de se dégonfler. J'utilise un indicateur technique RSI, j'ai un certain nombre de signaux, à savoir des cassures par le bas du seuil des 70, ce qui est très négatif. C'est ce qui s'était passé sur l'USD/Yen, hein, lorsqu'on avait eu cette phase de distribution majeure sous les 110. Et donc, c'est ce qui m'invite. Alors, je vais vous le montrer. Donc. Alors, ça, c'est d'abord ce qui s'était passé ici sur l'US dollar index, où on avait eu donc ce signal ici. Et d'une certaine façon, je pense qu'on peut avoir la même chose sur USD CHF, par exemple. Voilà, c'est exactement le même type de momentum que nous avons. Et donc, je dirais que je le maintiendrai donc sous pression, sous ces 0,9470. Et donc, ce GBP USD qui continue de m'intéresser. Finalement, de toutes les paires en dollars, au-dessus des 1,5950, eh bien, c'est celle qui m'intéresse le plus pour au moins envisager une reprise en direction des 1,61. Donc là, il y a probablement un trade intéressant de détenir une position longue sur le câble pour viser un 61. Au moins viser la partie haute de cette compression. En tout cas, cette paire de devises m'intéresse depuis hier et depuis ce matin aussi. Alors, l'euro NZD. Alors, qu'est-ce que je pense de l'euro NZD? Qu'est-ce que je pense de l'euro NZD? Alors, je pense de manière générale que l'euro tente. Alors, je regardais ce matin l'euro index, c'est pas encore fait, mais il y a quelque chose qui commence à me plaire. C'est ce que vous pouvez constater sur des signaux positifs, même beaucoup plus que positifs, probablement moyen terme sur l'euro CAD ou encore l'euro AUD. L'euro NZD lui aussi fait probablement un flat avant probablement d'inscrire de nouveau plus haut. Et donc Eurodoll, eh bien finalement, step by step, et la clôture weekly m'intéressera beaucoup. Alors pourquoi la clôture weekly m'intéressera beaucoup, je vais vous la montrer tout de suite. Et pourquoi en fait elle est importante à surveiller. Alors n'hésitez pas en attendant hein, de cliquer sur le lien pour participer au webinaire de ce soir, car il n'aura pas lieu ici. Hein. Ce n'est pas un webinaire qui aura lieu en salle de trading, je ne vous ai pas simplement donné le lien pour rejoindre la salle de trading sur laquelle vous êtes connecté actuellement. Il s'agit d'un lien pour y participer en rejoignant donc un événement GoToWebinar. Donc c'est important d'aller s'enregistrer. Donc voilà, ça c'est ce que je surveille sur le RSI Weekly, l'Eurodoll, sa capacité peut-être à refranchir à la hausse ce seuil des 30, ce qui correspondrait donc sur l'USD index en weekly à une cassure du seuil des 70. Alors c'est quelque chose qui amène
Eh bien, sur le premier, davantage de hausse, et sur le second, davantage de baisse. Et enfin, ai-je un graphique weekly du câble? Et de la même façon, ce que vous devez comprendre, c'est que le GBP/USD en fait tente de défendre une zone importante, qui est donc celle-ci, qu'on retrouve ici en données hebdomadaires. Et donc en clair, si le GBP/USD tient les 1,59, déjà va se diriger vers 1,61, sort par le haut de la compression descendante, je pense qu'il peut rejoindre 1,63,50. Alors Thomas, vous avez raison de rappeler que la semaine prochaine, alors si mes souvenirs sont bons, aux alentours du 21 ou du 22 octobre, bon, vous pouvez consulter un calendrier économique, on attend les chiffres de la croissance économique en Chine. L'impact sera très fort sur notamment le dollar australien, puisque à chaque fois que des chiffres en provenance de Chine, notamment le chiffre des importations, sont publiés, cela influence grandement le dollar australien. Et donc, voilà ce qui m'inquiète ici, voilà cet indicateur de momentum qui m'inquiète. Clairement, une cassure du seuil des 70 ici, sur la base de ce RSI weekly, eh bien appellera davantage de repli, et en direction de quoi? De 10 756. Alors, invité, qu'est-ce qu'on peut viser dans le cadre d'un rebond technique sur le SP500 et le Dow? Alors, c'est simple. Les objectifs de rebond technique sur les indices US, ils sont hyper simples. En gros, viser les moyennes mobiles à 30 semaines. Pourquoi? Car les moyennes mobiles à 30 semaines, on les a cassées, alors c'était vendredi il y a 2 semaines, je crois, ou vendredi de la semaine dernière. Enfin bref, en tout cas, lorsque ça s'est passé, c'est définitivement là. C'est ce jour où je vous ai proposé une analyse. Le marché action US va perdre 10%. Car ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas cassé les MM30. Quels seraient les objectifs de rebond technique? Eh bien, 1890 sur le SP500, 16 260 sur le Dow, si vous êtes long depuis les plus bas, c'est ce que vous devez viser. D'ailleurs, sur les indices US, si vous avez lu l'analyse technique des marchés financiers par John Murphy, il y a une figure d'inversion de tendance, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur l'indice US, c'est ce qu'on appelle un « failure swing ». C'est tout simplement le fait ici d'avoir désormais donc c'est cette configuration là, celle-ci que vous avez ici sur le Dow en données weekly et celle-ci ici que vous avez sur le SP en données weekly. Et j'ai beau revenir dans le passé, la dernière fois que j'en avais vu une comme ça, c'était ici en novembre et décembre 2007. Voilà pourquoi je pense que ce marché commence à peine sa baisse à moyen terme et je pense que nous pouvons viser 14 100 points sur le Dow Jones et 1575 sur le SP. Et ces objectifs, disons, sont pour, dans le meilleur des cas, la fin d'année, dans le pire des cas, si ça prend plus de temps, au premier trimestre 2015. Alors, si vous n'êtes pas disponible ce soir à 18h, ce n'est pas grave, puisque le webinaire sera enregistré et disponible rapidement dans la section du forum dédiée au nouveau spread ultra serré de FXCM. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif à ce point de marché. Je pense avoir dit l'essentiel. Soyez prudent, gérez bien votre risque. Le money management, c'est important. On en parlera ce soir et vous allez voir pourquoi nos nouveaux spreads permettent d'optimiser le money management de vos positions. Enregistrez-vous d'ores et déjà. Il faut simplement cliquer sur le lien. Ça prend 10 secondes, sinon vous ne pourrez pas y participer. Merci à tous et je vous attends nombreux tout à l'heure à 18h.